Et salut à tous et bienvenue, je suis Link Le Guise pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure Kingdom Hearts 2. On se retrouve pour un deuxième petit monde en mode détente. Et oui, vous avez vu vers où je traîne. On va bien évidemment partir à Atlantica aujourd'hui, puisque la dernière fois nous avons terminé le monde de Winnie. Aujourd'hui, eh bien il est temps c'est l'heure, voilà, dans toute série, vous savez, quand vous regardez une série, généralement il y a toujours un épisode musical. Bon, moins maintenant, mais j'avoue à l'époque. Eh bien voilà, nous, aujourd'hui, on fait notre épisode musical. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on peut refaire les chansons. Ah, d'accord. Ok, d'accord. J'en profitais pour regarder s'il n'y a pas des items ou quoi que j'aurais oublié. Bon, en tout cas, je peux aller par là. Ah ouais, d'accord. Bah, go. Le double pièce de puzzle complètement gratuit. C'est bon, ça. Bon, bah écoutez, on va aller voir Triton, du coup. On peut lui parler. Le sale maître des océans peut porter ce Triton. Tant qu'il m'appartient, aucun ennemi ne peut me résister. D'accord, donc bah déjà on sait qu'il va le paumer, hein. Merci de spoiler, Michel. Mais du coup... Apollochon peut-être? Ah oui, je crois que c'était Apollochon. Non, c'est pas toi! Es-tu prêt à déplacer la statue? Oui. Et c'est parti pour l'acte 2, partir là-bas. We'd like you to come with us, Ariel. Have we got something to show you? It's a pretty cool statue, huh? It looks like some kind of prince. A prince? Obtient au moins 5 excellents d'affilée. D'accord, on n'est pas dans la merde. Ok. Et ben c'est parti. Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? The girl who has everything. Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Up where they walk, up where they run, up where part of that world. Une chanson que j'aime beaucoup de la petite sirène. Mais elle n'égale pas ma préférée. Que vous connaissez tous. Ariel, we're here to help you, you know? Oh no, you three stay out of it! Look who's talking. Yeah, you are gonna tell your dad about it. What am I going to do? Puis elle est stylée la statue de Eric. Tu es en retard, Sébastien. Un problème?
Non, Majesté, tout va bien. Tant mieux. Où en es-tu l'écriture de cette fameuse chanson ? J'ai terminé, Majesté. C'est une ode aux merveilles de notre bel océan. Ma plus grande composition, en n'en pas douté. Suffira-t-elle à chasser le monde des humains de l'esprit d'Ariel ? Eh bien, peut-être, je l'espère. Enfin, je veux dire oui, absolument. Pardonnez-moi, Majesté, on a besoin de moi pour la répétition. C'est une catastrophe, il faut faire quelque chose. Elle ne peut pas participer au spectacle dans cet état. Je chanterai à sa place. Alors ça, non, c'est même pas la peine d'y penser. Bah pourquoi? Ah voilà Sébastien. Ça ne marchera jamais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai écrit une magnifique chanson pour le spectacle, mais je crois qu'elle est un peu trop dure pour vous. Tu crois? Fais voir. Oula. Ta jauge de flux doit être supérieure à 5 pour participer au spectacle. Bah ça tombe bien. Puisqu'on est à 7. Oh. Oui, parce que voilà, techniquement, c'est voilà, j'ai préféré vous faire tout d'un coup, mais comme je dis, on débloque au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Les passages du monde d'Ariel, tout comme les passages du monde de Winnie. Voilà qui est parfait pour le spectacle. C'est parti, pour la meilleure musique de tous les temps. Acte 3, sous l'océan. Fais un gros score en remontant le moral d'Ariel. Appuie sur carré pour quand Ariel apparaisse dans la jauge, mais n'appuie pas. Pas quand tu vois Sébastien, d'accord. Ouh, ça va être compliqué. Tiens. C'est très dur de ne pas fredonner. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that takes a bit of time. Oh, y a des feintes en plus. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore they work all day. Out in the sun they slave away. While we devoted full time they floated under the sea. 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 Since life is sweet here, we got the meat here naturally. Naturally. Even the sturgeon and the ray, they get the urge to start to play. We got the spirit, you got to hear it under the sea. 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 Where the sardine begin to begin. It's music to me. Sun. We got the hot crustacean man. Each little clam here know how to jam here. Under the sea. Each little slug here caught in the rug here under the sea. Each little snail here know how to wail here. That's why it's hotter under the water. Yeah, we in luck here down in the muck here under the sea. Eh bien alors comme ça sera, on danse avec la fille du roi. Eh bien, mon petit gars, on se fait plaisir. Oh, what do you think, Ariel? Oh, I think it's a great song, Sebastian. It's just, it's not what I want to sing. I want to sing about how our two worlds can live in harmony, land and sea together. The Sea King would make chowder out of me if you sang a song like that. If you won't listen, then I'm not going to sing at all. Ariel!
How do I get myself into this situation? Oh, man. Not only has that girl fallen in love at the worst possible time, but with a human! Ariel's in love Nani? With a human? Oh, me and my big mouth! Voilà, c'est la merde. Oh. C'est lui. Oui. Appelons-le. Mais non. Il est humain et je suis une sirène. Que pensera-t-il de moi? Vous avez vu ça? On doit lui rendre. Mais on peut pas l'attraper. Ah zut. Donc il faudrait revenir avec aimant plus que normalement on a depuis pas mal de temps. Allez go! Yahoo! On se rend, on dirait que tu as gagné de l'expérience. Tu crois que tu peux m'aider à récupérer le pendentif? Mais allons-y! Acte 4, la revanche d'Ursula. This is great, Sora. I know he'll be happy to have this back. And just who is this he? Daddy! Ariel, you know how dangerous humans are. You don't even know him! Oh, Daddy, you've told me that you don't trust humans. But they can't all be as bad as you say. And I'm... Well, I'm gonna prove it to you. So help me, Ariel. I am going to get through to you. And if this is the only way... So be it. No! Et on applaudit dès demain la meilleure solution qui ait jamais existé. Pauvre petite Ariel. Ursula, sorcière des mers, mon père t'avait banni. C'est vrai, cher enfant. Mais comment aurais-je pu rester insensible à ton malheur? Tu as besoin d'aide. Sais-tu que je pourrais exaucer ton rêve? Mon père ne tolérerait jamais. Tu renonces bien facilement. Tu n'es sans doute pas vraiment amoureuse. Tu pourrais vraiment m'aider? Mais comment? Eh bien, le seul moyen de réaliser ton souhait serait de devenir humaine toi aussi. Moi humaine? Est-ce possible? Sache, cher enfant, que tout est possible avec moi. C'est terrible, Polochon! Va prévenir le roi! J'y vais. Oups! Si tu acceptes le marché, je te transforme sur le champ. Mais avant, tu dois signer le contrat. Un contrat? Eh oui, ma chérie. Mais la contrepartie est une broutille. Tout ce que je veux, c'est ta voix. Ma voix? Ah, j'allais oublier. Le sortilège ne durera que 3 jours. Tu dois embrasser ton beau prince avant le coucher du soleil du 3e jour, sinon... Tu redeviendras une sirène et tu m'appartiendras. Les conditions te paraissent peut-être un peu rudes. Tu es la fille du roi Triton, après tout. La princesse adorée du royaume d'Atlantica. Tu es quasiment assurée d'avoir une vie heureuse. Ne vaudrait-il pas mieux te ranger à la vie paternelle? Tu n'y perdrais que ton grand amour. À toi de voir, ma belle. Mais c'est maintenant ou jamais. Ceci dit, loin de moi l'intention de te forcer la main. Ne l'écoute pas, Ariel! Puis c'est surtout que si tu l'écoutes maintenant,
et qu'elle te transforme sur le champ, t'es sous la flotte. Un humain sous l'eau, ça fait pas bon ménage, normalement. Too bad about your prince, though. He is quite a catch. Wait. J'aime bien comment il y a marqué en gros et que tu le vois bien de loin. Pour l'éternité. We have a deal. Here you go. Ariel, don't! Sora, please! You got to stop her, man! Wait! Oh! Mais voilà, ce léger problème là. Oh non! She can't breathe like that. C'est vrai, c'est pas si profond que ça en fait, le royaume d'Atlantica. Are you the girl? Please wake up. Whoa, easy there. What's wrong? You can't speak? Oh, well, where did you come from? That's my pendant. I can't believe you found it. Thank you. Please, come with me. I want to help you. C'est bon. Elle a l'air de bien s'en sortir. On devrait informer le roi Triton, non? Surtout pas! Il aurait le cœur brisé s'il apprenait ça. Qu'est-ce que tu proposes alors? On reste ici et on veille sur Ariel. Voilà tout. C'est vrai qu'on peut pas faire grand chose. Bon ben... allons-y! Je vais voir comment va Ariel. J'arrive! Alors, on reste planté là à regarder? T'as une meilleure idée? On pourrait demander à Ursula de remettre les choses en ordre. Bien sûr, comme si elle nous écoutait. On peut pas savoir avant d'avoir essayé, non? Ça se tient. Ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Vous pouvez vous en occuper? Absolument. Ça fait pas du tout voyeur là, les gars. Hey, where's Sebastian? Well, King Triton wanted him at the palace. Whoops. I wonder if it's about Ariel. If King Triton finds out what happened, we're in hot water. Especially since we kept it a secret. What about Ursula? She disappeared! Well, how's Ariel doing?
She's only got until sunset tomorrow, right? Hey, look! What? I can't see! Whoa! They're okay. Man, they were so close. Well, I think we ought to get back to looking for Ursula. Yeah, good idea. Bon. No sign of Ursula anywhere. I wonder where that sea witch could have gone. Ariel's been crying for a long time. What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we super bien caché. Where would we run if we could hey, stay what's up with the all prince? Day in the sun? Look, there! Just you and me. And I could be it's Ursula! She must have turned herself into that girl! Okay, that's it. Headshot! Oh. What happened? Eric. C'est peut-être pas la bonne idée là. You can talk. You're the one. The girl who sang to me. Oh, Eric. I wanted to tell you. Of course. It was you. You're the one who saved me that night in the storm. Oh, Ariel. I'm sorry I didn't figure it out sooner. You're the one I love. Eric. Not so fast. Ouais, voilà, il se passait ça, quoi. You're too late. Ariel! On s'en occupe. Stop. Stay out of this, you fools. Triton's precious little daughter signed a contract. Now, dearie, let's see how beautiful you are when I'm through with you. That contract's no good. Let her go. Excuse me? Oh! Now. Even the great King Triton can't go around breaking binding contracts. Why, it just wouldn't do, would it? Now, if you'll excuse me, I have some loose ends to tie up. Wait, Ursula. You win. Just promise. You'll let my daughter go. But we had a deal. Unless, of course, you're offering to take her place. I'm afraid I have no choice. Sinon, tu nous laisses nous en occuper et tu fais pas le con. Enfin, je sais pas. Hein. Your Majesty! Bon. Eh ben, il est temps de botter des culs. Daddy! Ah, who's the mighty ruler of the seas now? You monster! Let him go! How dare you! Pitiful!
pitiful, insignificant human! Hey, that's enough! Ha-ha! Now you all bow to me! Terrasser Ursula. Une nouvelle jauge fait son apparition, appuie rapidement sur croix pour vaincre Ursula. Musique et passage que je trouve vraiment très sympa. This witch is back to bring her wrath upon the sea. Triton can't be rid of me, not that easily. And like all who dare defy me, he will learn his lesson well. Never toy with a girl like me. You got what you deserved. Flotsam and Jetsam. Royal darling, strong as the tide. Sweetest poopsies, hasten to my side right now. Mommy, touch the stupid fools. Make them cry. I don't think so. Fighting for his prize without your precious mermaid. Now you're crazy with revenge. I suppose I sympathize. I'm not gonna lose her! Right! We're with you all the way! Flotsam and Jetsam! Royal darling, strong as the tide. Sweet as poopsies, hasten to my side right now! Mommy needs you. Smash those! Sorry, Mommy. Your poopsies are toast. This is not the end, my dears. I swear I've just begun. It's not over until Ursula has won. Et ben voilà. Petit passage que j'aime bien. Bon, ça vaut pas le sous l'océan, mais elle est pas mal. That's what you think. Toi, mon pote, t'as eu de la chance. It's over, Ursula. That belongs to me. All right then, you can have it. One shot. Please, Ariel, you can come out now. It's okay. Ariel? Is why I went to Ursula. This can't be. I would have told you sooner. To think. Eric, goodbye. I had all that time and I didn't work on my swimming. Huh? Well, I guess it's never too late to learn, right? Will you teach me? Oh, I'd love to. All right! Il est cool ce Eric quand même.
Mystérieux abîme et augmente de 20% la puissance des attaques de glace. Pourquoi pas? C'est pas bon, hein, mais bon, voilà. Le prince Eric est un homme bien et très courageux en plus. Peut-être, mais il est humain. Tu peux pas oublier ça un peu? Comment l'a pris ton père, Ariel? Très bien, merci. Je dois filer, à plus tard. D'accord. Eh, attends. Au fait, Sébastien, le roi a dit que le spectacle de cette année est très important et il espère que tu t'es surpassé. Allons bon. Quel problème? Eh, vous pourriez me rendre un service? Hein? Quoi? Mais comment? Ça me semble être une idée épatante. Et on a besoin de la magie Foudre X pour mener à bien le projet de Sébastien. Ça tombe bien, nous avons la magie Foudre X. Qu'on a gagné il n'y a pas si longtemps que ça au final. Il est où? Il est là-bas. Ah ben, vous m'épatez, tout est au point pour le spectacle. Et on y va pour la dernière chanson de cet épisode musical. L'acte 5 est final, à l'aube d'un heureux jour. Marque plus de 30 000 points. Toutes les types de jauges apparaissent dans cette épreuve, attention de ne pas appuyer sur la touche quand Sébastien s'y trouve. Et je me tais pour savourer. Et me concentrer. Et nous y voilà. Un petit 120 000 points. Je suis plutôt content. Bon, bah ça c'est fait. Et l'objet random de ce monde, c'est une bubule. C'est une bubule. N'empêche que Eric, il le prend quand même super bien, hein, l'existence des sirènes, tout ça, il le prend super bien, c'est beau. Non, puis j'adore sa réaction, c'est... Il serait quand même temps que j'apprenne à nager, au fait. C'est stylé. C'est la bonne punchline, quoi, c'est le truc qui touche forcément, là.
Ah là là. Sora, what's happening? A new pathway has opened. What? You gonna go? Is this goodbye? I won't do it. We'll never say goodbye. That's right. One, two, three, four. Even though we're hitting the road, our worlds are all connected. Which means we are free to come and go. And Sid. So don't be sad and always know we'll come back soon to say hello. Ouais, c'était mieux quand c'était Ariel qui chantait. Hein. En attendant Atlantica, c'est terminé. Et ça, étrangement, c'est un monde que ça me dérangerait clairement pas d'aller voir dans Kingdom Hearts 3. J'aimerais bien qu'il y soit. Et on obtient surtout éléments de glace qui nous donne Glacier X, un Orichalc plus. Et on obtient le trophée Confluence. Et ben nous y voilà. Un monde de plus de terminé, et cette fois-ci pour de bon. Il ne nous reste plus qu'à nous diriger vers la cité du crépuscule, puisque c'est ici que va se dérouler la suite de l'histoire. Alors il y a toujours le Colisée à faire, bon on le fera un peu plus tard. En tout cas, j'espère que cette aventure, enfin cette aventure non, j'espère que cet épisode musical vous a plu. Ouais moi j'avais déjà dit au revoir et tout. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, la commenter, et pourquoi pas, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour la Cité du Crépuscule, mais d'ici là, portez-vous bien, et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.